de réagir. Oui, El Guerrouche, il finit bien d'ailleurs. C'est ce qui a provoqué la montée de Niangabo sur le 5000 mètres, battu lors du meeting deux fois par El Guerrouche. Il s'est dit ce n'est pas la peine de rester sur cette distance. Et on peut penser qu'effectivement, le Marocain peut être. La direction de avec Bouchin est en milieu de peloton plus actif. Morstar est en 5 position avec en deuxième position que Rayoran et troisième position l'américain Paul McMullen. Oui, je crois surtout qu'il ne faut pas trop laisser partir toute courir. Il a réalisé 3,31 secondes. Elie Rouge l'a compris. Il est facile, très très facile au train. Elie Rouge, il faut simplement qu'il évite peut-être les chutes. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les séries avec les dames, cela aussi arrive fréquemment chez les garçons, mais il faut que le train aussi prévienne. Alors le train, il n'y aura plus de 200 plus. Hein. Ouais. Je crois que c'est tout à fait un train typique d'une demi-finale olympique. On est sur des bases de 340 ou 1500 mètres, cela accélérera par la suite. À ce jeu-là encore aussi, et le Tunisien, les Britanniques sont très bien placés. Mac et Whiteman sont en position bien placés derrière Tigor et ça s'accélère brutalement. Kip Korir à deuxième point. Il est en train de passer, vous avez raison. Alors qu'à la corde se trouve toujours Kevin McKay, le Britannique. Pour certainement aborder le dernier tour dans les meilleures dispositions. Ça y est, c'est parti. Voilà, et n'oubliez pas Patrick, il a couru en moins de 3,30 cette saison, 3,29,59. Ouais, mais Kurs lui a fermé un petit peu la porte. Pas tout de suite, mon garçon, a-t-il dit. Oh, pas pour longtemps. Voilà, El Guerrouche en remet un petit coup maintenant. Et il passe en tête alors qu'on va bientôt aborder la cloche, c'est-à-dire le dernier tour. C'est si facile, parce qu'on vient vite. El Guerrouche, il a tête, croyez-moi maintenant. Il va serrer franchement, il va secouer le peu de punais. El Guerrouche est en train d'accélérer, regardez. Qui peut passer à l'extérieur, c'est ici, c'est le reste. C'est que ce n'est en dette de rien, alors que le peu de tech limite, la raison, et quelle édition, le Tunis qui brille, joue d'allure. Il en laisse, on ne voit pas sur ce côté, il en laisse la corde. Ça se fait maintenant à l'envalage, avec les derniers rages. Il bouge, il fait souffrir vraiment tout le monde dans les points. Il est facile, il est spatif. Les rouges redoublent pour nous, mort, il ne semble pas, Bernard, il est à fond, il en a derrière, sa finte, qui est chourir, qui démane, ce sale, 1 de 100, il va promettre nos rêves, on réussit à accéder.